avec... Bonjour Philippe, une nouvelle discipline sportive dans les jardins, c'est quoi le garden staging? Le garden staging, c'est plus le home staging. Effectivement, ouais. Régulièrement sur Télématin, on va vous apporter des solutions concrètes à travers des petits relookings, petite surface ou surface moyenne, mais avec des solutions concrètes. C'est-à-dire que tout le monde peut piocher des idées ici et là pour réaliser son jardin, sa terrasse, son balcon. Aujourd'hui, on part sur un cas concret. Vous savez, ces petites maisons, il y en a beaucoup qui ont une petite surface à l'avant et la surface de vie est plutôt à l'arrière parce qu'à l'avant, il y a des voitures qui se garent, etc. C'est pas très joli. Donc, mais pour rejoindre la partie avant de la partie arrière, il y a les fameuses allées sur les côtés. Alors, ces allées, souvent, elles sont abandonnées. Il y a les poubelles, il y a un vélo qui rouille. On ne s'y arrête pas. Elles sont moches, etc. C'est vraiment très peu organisé et on l'a vraiment peu colonisé. Moi, ce que je vous propose, c'est de transformer ces allées en un lieu de vie, en un lieu de passage agréable, un lieu de vie. On peut s'arrêter, on peut lire, peut manger, on peut partager des choses avec ses amis, on peut vraiment flâner. Vraiment, ça va devenir un jardin à part entière, donc on peut créer un autre jardin. En plus, on n'est pas obligé de donner la même tessiture du jardin, la même ambiance qu'à l'arrière, puisque c'est une partie vraiment privilégiée. Donc ce matin, je vous propose de transformer ces allées souvent abandonnées en un lieu de paradis, regardez. L'idée aujourd'hui, relooker une allée presque abandonnée dans une maison au sein d'un lotissement. Un endroit enclavé, entre deux murs qui écrasent le lieu. Alors comment faire de cet endroit un havre de paix où il fera bon vivre et s'y reposer? Un avant-après impressionnant avec des astuces simples à mettre en place. Déjà, on va nettoyer le dallage. Comme souvent dans les maisons, il est laissé à l'abandon. Les dalles deviennent noires, recouvertes d'algues, de mousse et de salissure. Ça se passe en trois temps. La première consiste à retirer les taches spécifiques qu'on a sur le support. La deuxième étape, c'est le nettoyage. Au même titre que quand on peint un mur, on lessive la surface au préalable. Lorsqu'on veut protéger un dallage, il est impératif de nettoyer avant. Et la troisième étape, du coup, c'est la protection. Ensuite, on va conserver l'existant, c'est-à-dire tailler la haie dans le cas présent. Une haie d'if que l'on va désépaissir de 10%, ce qui va agrandir la perspective de l'ensemble pour briser le côté autoroute sombre. On va y insérer des pots en aménageant des niches à l'intérieur de cette haie. Des pots Pepsi de couleur fuchsia qui vont contenir justement des fuchsias qui résisteront à l'ombre dominante du lieu. On va aussi y monter des étagères, une pergola qui sert à la fois de banc mais qui contient de chaque côté des bacs qui recevront des grimpantes et un potager pour les enfants en hauteur pour un accès plus facile. Et pour les plantes, que choisir? Pour ce lieu enclavé un peu sombre, ce qui est bien, c'est de mettre des couleurs qui vont égayer, qui vont apporter du rythme. Et en plus, penser aussi à la perspective des végétaux, en mettant des plantes hautes, des plantes plus basses, pour qu'on ait envie à chaque fois d'aller jusqu'au bout de cette allée. Pour la bande de terre, on va créer du rythme. Déjà, en y apposant deux bacs en bois qui vont donner de la hauteur. Et puis, on va planter. Des plantes hautes briseront la platitude du massif grâce aux graminées. On donnera du style au jardin en choisissant une couleur dominante, ici le bleu. Bleu comme les hortensias, les agapanthes et les perovskias. Un peu de soleil aussi avec une multitude de fleurs rosées et orangées. Sans oublier la base du massif avec du feuillage clair comme les hostas par exemple. On habillera aussi la base du mur avec un treillage en bois sur lequel on fera grimper des clématites de collection. Qui dit allée dit balisage. Donc, éclairage de nuit, car un jardin peut se vivre 24 heures sur 24, ici, avec une nouvelle technologie LED, facile à poser. Le balisage lumineux permet de mettre en valeur les fleurs, les massifs, dans le jardin ou également le long d'une allée. Donc ça permet à la fois d'avoir un aspect sécuritaire, mais c'est aussi un effet décoratif. Ça se pose extrêmement facilement. C'est des petits pics qui sont à planter dans la terre et qui peuvent être orientés aussi. Regardez cet avant-après de jour, on ne reconnaît plus vraiment l'allée. Ce coin est devenu non seulement un endroit de passage, mais aussi un véritable jardin où l'on peut enfin se reposer. La version nuit reste originale grâce au LED qui donne toute la puissance au jardin. Les ombres des plantes sont mises en lumière aussi grâce à des lampes bougies faites de paille qui ne s'éteignent plus par grand vent. Un lieu magique, facile à reproduire chez soi, le plus dur c'est de s'y mettre.
c'est super ça, Philippe. Alors rapidement, quelques autres bonnes idées. Alors vous savez, il y avait une haie, c'est assez monotone. On a légèrement taillé à l'intérieur, on y a inséré des pots très Pepsi, un peu fuchsia. Et ce qui donne aussi, on rompt la monotonie. Aussi, dans le massif, c'était assez plat. On y a mis des bacs, alors qu'il y avait de la pleine terre, pour aussi créer un effet de vague. Donc, ça agrandit visuellement le jardin. Il faut agrandir, quand on a une petite surface, d'avoir des astuces pour agrandir le jardin. On a mis des fleurs plutôt claires. Donc, quand c'est un peu sombre, on met des fleurs claires. Le blanc, c'est formidable pour illuminer un jardin, enfin, la couleur blanche des fleurs. Et puis, ces petits chemins en LED qui sont justement très sécures pour les enfants. Donc, ça aussi, c'est très bien la nuit pour avoir un chemin de passage, car c'est toujours une allée de passage. Et le avant-après est assez exceptionnel. On a rattrapé l'allée qui était plutôt recouverte de champignons et qui avait, au fil du temps, avec des lichens, était noire. Maintenant, on retrouve ce côté rouge. Et puis, voilà, même de la fenêtre, c'est assez graphique et assez joli. Super. Merci beaucoup.